Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, alors, j'ai dit haul, voilà, parce que bon, c'est des achats que j'ai fait, mais bon, c'est un unboxing aussi puisque j'ouvre une boîte, mais c'est plus un haul pour moi je trouve. Et oui, bergère de France, oui non, j'en ai pas encore assez, non. Alors, le plus rigolo dans l'histoire, c'est que donc j'ai passé cette commande avant Nouvel An, ouais, avant le réveillon du Nouvel An. Et donc, c'est quand j'ai regardé ça, ben, c'est tout à l'heure. J'ai vu que j'ai reçu un email de Bergère de France, je croyais que c'était par rapport à ma commande. Donc, je regarde mon email, mais non, c'était pas par rapport à ma commande. C'est que maintenant, il y a une promo chez Bergère de France. 10 pelotes achetées, 10 gratuites. Mais oui, c'est le moment, comme tous les ans. Là, j'ai eu une promo aussi dessus. Mais là, du coup, aujourd'hui, c'était 10 achetées, 10 gratuites. Ça dure jusque... Je remets tout. Je vous marque tout sur l'écran. J'ai recraqué. Oui. C'est pas bien. Alors, j'ai recraqué sur la promo. 10 acheter 10 gratuites. Et j'ai recraqué pour une autre laine. Mais bon, je vous en dirai plus quand je l'aurai reçue. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, j'ai eu des promos de... Il y avait des promos également. Par contre, j'ai plus les prix en tête. Il faudrait que... Bon, je vais vous les mettre sur l'écran, ça ira plus vite. Et dedans, il y a une petite chose que j'ai achetée. Mais alors, je ne sais pas si c'est nouveau. Ou alors, c'est parce que j'ai jamais fait attention. Mais comme c'était dans les promos, c'est là que ça m'a fait tilt. Je suis tiens, il y a ça chez Bergère de France. Bon, alors j'ai découvert aussi que chez Bergère de France, donc j'ai vu ça tout à l'heure, ils font du diamond painting aussi maintenant. Oui, hein, voilà, c'est pas leur cam hein, le diamond painting à la base. À la base, c'est la laine. Voilà. Mais bon, ils en font. Plus la broderie, tout ça. Alors. Petit carton. Alors. Bon, ça, je vous le montre après. C'était justement ce que je n'avais pas vu avant. Je ne savais pas qu'ils vont être. Alors, attendez. On va essayer de pas. Hop. Alors, en cadeau. Déjà, j'ai eu l'agenda. J'ai eu l'agenda 2023. Alors, chez Bergère de France, cette année, la mode est aux cagoules. Mais ta cagoule. Voilà. Alors, bon, là, c'est tout l'agenda. Je vous montre comme ça. Hop, vous voyez. Et devant, on a... Alors, déjà, pour la cagoule, hein, vous voyez. Ils se sont éclatés. Et ensuite, voilà tous les modèles qu'il y a dedans. Donc, je ne vais pas vous les montrer page par page, hein, mais voilà les modèles de tricot qu'il y a. Alors, il y en a un, ça me rappelle quand j'étais petite. Et je sais que ça revient à la mode. Alors, il est où? Ah, il est là. Parce que quand j'étais petite, je sais que j'en avais. Quand j'allais à l'école. Ça. Donc, vous avez le modèle pour faire ça. C'était les faux cols roulés que l'on mettait en dessous d'un pull. Ou, voilà. Et je sais que ça, moi, j'en ai eu quand j'allais à l'école. Bon, j'ai 59 ans, hein, donc à l'époque,
c'était, ça sortait, mais bon, voilà, ça revient à la mode. Alors, les faux cols et les cagoules, on est revenu aux années, les années 60, 70, voilà. Pourquoi pas? Je me ferai peut-être pas une cagoule. Voilà, il faudrait vraiment qu'il fasse très, 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 très froid. Mais bon, c'est rigolo. Voilà, et l'agenda est bien fait. Hein. Il y a des, quand même des grandes cases, vous voyez, pour bien inscrire bah, vos ouvrages, tout ça. Voilà. Alors, ça c'est peut-être... Ah, bah, il y a peut-être les prix dessus, non? Ah non, il n'y a pas les prix. Bon, c'est dommage. Si, il y a les prix. Ah, mais si, j'ai les prix. Donc, c'est bon. Alors, je vais pouvoir vous les dire. Voilà. Alors, ensuite, j'ai acheté des petits boutons comme ceci. Alors, hop. Voilà. Ils sont en bois. Donc, j'en ai pris deux paquets. C'est de la taille, c'est du 14 mm si je ne me trompe pas. Ouais, 14 mm, ils sont en hêtre. C'est pour le gilet que je voudrais faire pour ma petite fille. Voilà. Donc, les petits boutons. Donc, il m'en faut 8 normalement, mais du coup, c'était vendu par 6. Donc, j'ai pris. Mais c'est pas grave parce que si jamais un jour elle perd un bouton sur son gilet, ben, j'en aurai le rechange. Alors, les petits boutons comme ça, c'était 4 euros le paquet. Voilà. Bon, c'est un peu cher, mais c'est chez Bergère de France. Ensuite, ça, je vous montre après. Bien sûr, de la laine. Hein. Voilà. 10 comme ça. Je ne sais pas pour faire quoi. On verra. Je sais pas ce que j'ai vu que c'était en promo. Hein. Alors, c'est de la barisienne. C'est celle qui se tricote avec les aiguilles numéro 4. Voilà la couleur. Ça fait couleur un peu jean. Et le nom, c'est Azur. Voilà. Donc, ça se tricote ou ça se crochette en numéro 4. C'est du 100% acrylique, hein, la parisienne. Mais elle est super douce, la parisienne. Ah oui, je l'adore. Alors, son prix, maintenant, elle est un peu plus chère, puisque là, je l'avais eu en promo. Mais moi, je l'ai payé 1,90€ la pelote. Et ce matin, je crois que c'était à 2,05€, un truc comme ça. Bon, donc ça va. C'est la plus abordable hein, dans les laines chez Bergère de France. Et j'en ai pris un deuxième, avec lequel je ne sais pas ce que je ferai non plus. Hop, voilà. Et là, je l'ai pris en gris. Alors, voilà sa couleur. En plus, c'est une belle... elle est bien brillante. Regardez. Et elle est douce, mais elle est douce. Alors, son nom, c'est Dolmen. Voilà. Donc, pareil, 1,90€ la pelote. Donc, ça vous fait 19€ le paquet. Voilà, pour la laine. Ensuite, voilà ce que j'ai trouvé chez Bergère de France. Je ne savais pas qu'ils en faisaient. C'est du fil à broder. Voilà. Alors, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, tiens, j'ai pris 9. Je suis bête, pourquoi j'ai pas fait 10? Bon, c'est pas grave. Alors, par contre, je vais garder cette petite boîte-là parce que je la laisserai dedans. Alors, j'ai pris des métallisés pour voir ce que ça donnait. Et déjà, en le touchant, j'ai l'impression que c'est bien, c'est très doux. Voilà.
Alors, les couleurs. L'or, bien sûr. Voilà. Regardez. Alors, c'est des plaquettes de 10 mètres. Voilà. Là, celle-là, c'est 100% polyester, hein, mais bon, c'est normal, hein, c'est du métallisé. Et il y a combien de brins? Alors. Il y a l'air d'en avoir 4. 4? Non, 6? Je vois pas bien. Bon, c'est pareil, je vais vous... Là, je vais mieux voir. 1, 2... Non, il y en a 4. Ouais, donc il y a 10 mètres, mais il n'y a que 4 brins dans le fil. Bon. Donc, en doré, en or. Bien sûr, je l'ai pris en argenté. Mais... Donc, pareil, hein, c'est 10 mètres. Je l'ai pris en, ils appellent ça comment, rose, tout simplement, en rose métallisé. Voilà. Et dans les métallisés, j'ai, mais il est vraiment doux, hein, pour un métallisé. Je l'ai pris également en bleu. Alors, ensuite, et là, bah, du coup, c'est bête, j'aurais dû en prendre un de plus, mais bon, c'est pas grave. Et je pensais, c'est ça, j'ai oublié de prendre, je voulais du vert et je l'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Là, ce sont, alors, est-ce qu'il y a quatre brins aussi? Excusez-moi, parce qu'avec mes yeux de taupe, je suis obligée de regarder sur un papier blanc. Oui, c'est 4 brins aussi, cela. Et là, c'est du 100% coton, 10 mètres également. Alors, celui-là, c'est... couleur... Ben, c'est couleur or, celui-là, oui, je crois. Mais là, c'est du coton. Enfin, je dirais plus orange que or, mais bon. Voilà. Donc, pareil, hein, très, très doux. Celui-ci, mandarine, voilà, donc c'est orange, un peu plus foncé que ce que vous voyez, hein. Je sais pas, non, j'arrive pas, même en faisant de l'ombre, c'est un petit peu plus foncé. Le turquoise, il est super beau. Alors là, vous le voyez surtout bleu, mais il est vraiment... enfin, turquoise, c'est bleu, hein, mais... il est vraiment très, très beau. Ils sont d'une douceur. Ensuite. Alors ça, c'est beige. Moi, j'appellerais plutôt ça marron glacé, mais voilà. Donc, le beige. C'est plus foncé que ce que vous voyez. Hein. C'est un peu plus foncé. Et le dernier, c'est mousse. Voilà. Donc, c'est un vert cacadois. Voilà. Et je voulais prendre un vert normal, un vert, mais ben, je l'ai oublié. J'ai oublié de le mettre dans le panier. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est petite cartonnette de fil à broder. Elles étaient... attendez. De toute façon, je vous remets les prix sur l'écran, hein, les vrais prix hors promo. Là, je les ai eu à 1,56€. Et ils sont à 2€ et quelque chose en prix normal. Mais je vous remets les prix aussi. Voilà. Donc, je vous remontre. Le mousse. Le beige. Le turquoise. Le mandarine, l'or, mais bon, le bleu métallisé, le rose métallisé,
l'argent et l'or. Voilà. Je suis contente. Je vais pouvoir les essayer. Hop, on va les remettre dans leur petite boîte. Bien à l'abri de la poussière. Et pour terminer, j'ai pris les deux derniers livres de modèles. C'est les tout derniers. Donc le numéro 51 et le numéro 50. Donc il y a celui pour l'hiver et celui de l'automne. Je n'ai pas tout feuilleté. Là, je ne l'ai pas feuilleté du tout, mais j'ai vu des modèles sur le site. Donc voilà. Ça, c'est l'hiver. Voilà. Hop, je vous montre derrière. Les livres maintenant sont en papier recyclé. Ils ne sont plus en papier glacé. Alors, je vais vous montrer les modèles comme ça. Alors, attendez, je vais bouger un petit peu. Voilà. Il y a de jolies choses. Et assez accessible, pas trop compliqué. Alors, j'espère que vous voyez bien, mais je vais vous remettre les photos. Voilà. Alors, dans le livre, à chaque fois... Avant, on avait les images au début. Maintenant, non. Mais je trouve que c'est mieux. Alors, par contre, il est peut-être en... Oui, il est en plusieurs langues. Alors, il est en néerlandais, en français, bien sûr. Oh, il est beau, ce manteau. Regardez. J'aime bien. Alors, néerlandais. Là, il est en français. Et je crois qu'il est encore dans une autre langue. Alors, ah oui, d'accord. Alors, alors, français, néerlandais. Ah ben non, il est en deux langues seulement. Hein, je croyais qu'il était en trois langues. Je regarde quand même. Non, français. Non, français et néerlandais. Oh, j'aime bien ce pull aussi. Regardez. Ça fait un peu style polo. J'aime beaucoup. Ben voilà, je vais avoir des idées avec ma laine. Mais là, bon, par exemple, celle-là, elle se fait en... Avec quoi comme laine? Cocooning. Celle-là, c'est la cocooning. Bon, je regarde s'il y a des équivalents hein, avec la, avec ce que j'ai ou avec... Mais il y a vraiment de... Vous voyez, des choses assez simples hein, quand même. Voilà. C'est assez abordable. Là, des petits cols roulés, comme ça aussi, c'est beau. Non, c'est bien. J'aime beaucoup. Bon, là, ça va être un peu plus quali- c'est un modèle un peu plus qualifié. Non, il y a de belles choses. Mais je vous remets les photos. Je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Et il y a donc le numéro 50, celui-là, c'est l'automne. Voilà. Alors, et là, il y a des modèles enfants dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, bah déjà, celui-là, j'aime beaucoup. Il est simple, mais joli. On revient un peu, je trouve, dans les modèles d'avant, dans le temps. Alors, je cherche... Ah, il y a un châle. Et il y a un chauffe-épaule. Regardez. Et on revient sur les modèles d'avant. Alors. Voilà. Ah, il n'y a pas beaucoup pour adultes. Mince.
Attends. Ouais, dans celui-là, il y a plus de modèles enfants que adultes. Hein, c'est enfin, c'est dommage pour moi. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il y a même les pour faire des chaussures. Alors, les modèles, les voici. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de modèles pour femmes, c'est dommage, mince. J'ai pas fait attention. Du coup, il m'intéresse un petit peu moins, mais voilà. Alors, ces livres sont au prix de. Alors, celui-là est au prix de 7 euros et celui-là à 7,70. Voilà. Mais sinon, c'est deux beaux magazines. Ah oui, non, non, c'est bon. Je me disais, mince, ils m'en ont facturé deux, mais non, c'est bon. Donc, dans celui-là, je vais trouver mon bonheur, hein, c'est sûr. Bah dans celui-là aussi, mais il y en aura moins. Du coup, il y a beaucoup pour enfants, c'est dommage. Et puis pour petits, en plus, c'est des petits enfants. Là, ça va de 1 mois à 18 mois. drôle d'odeur, le livre. Là, 12 mois, 36 mois. Ouais, c'est pour les bébés. Là, des petits chaussons, enfin des petites chaussettes à jourer. Ça va jusqu'aux 24 mois. Trente-six mois maximum, 24 mois, ouais, c'est pour les bébés. C'est dommage, moi il n'y a pas de bébé dans ma famille, il n'y en aura plus. c'est dommage, dommage, dommage. Mince, je suis un peu déçue pour celui-là parce que bah il va pas me servir hein, à part un modèle. Ce modèle-là, celui que je vous ai montré là. Pour ce modèle-là, mais ça non, le châle non plus. Ah, là, il y a un pull de pour enfants mais plus grand, ah, jusqu'aux 14 ans. Mais bon, mes petites filles, elles vont pas aimer. Alors, c'est pas la peine, voyez. Donc. Ce gilet-là, non, il ne m'inspire pas. Là, il y a un gilet de garçon. Jusqu'à quelle taille? Ah, 12 ans. Donc, moi, c'est trop. Mon petit-fils, il est trop grand. Ouais, bah, il n'y a que un gilet dedans qui m'intéresse. Je suis déçue. Mince. Peut-être ce gilet-là, mais pas dans cette couleur-là, peut-être. Hein, mais voilà. Alors, du coup, il n'y aurait que ça, que ce pull-là qui m'intéresse dans le livre. C'est dommage. Je vais remettre les photos quand même à la fin. Et dans ce cas-là, bah, écoutez, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'acheter, parce que moi, il ne va pas me servir. C'est dommage, dommage, dommage. Je vais prendre en photocopie le pull pour le garder. Et bon, je vais le mettre sur le groupe également. Donc peut-être qu'en mettant sur le groupe, il sera déjà parti. Hein, mais bon, si vous. Mais je vais le revendre. C'est pas la peine. Je ne vais pas le garder. Et puis je ne vais pas le renvoyer parce que je vais payer des frais de port. Donc voilà. Dommage. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui ai pas fait attention. Hein. Mais sinon, il y a des super modèles hein, pour les bébés, quelques pour les enfants. Voilà, il y a des belles choses quand même. Mon préféré, du coup, c'est celui-là. Bah, je vous ai tout montré. Donc, l'agenda, les deux livres,
les petits boutons en bois, voilà, les fils à broder et les paquets de laine, voilà, ici. Donc la grise et la bleue. Hop. Donc voilà, il y aura une autre vidéo de Bergin de France dès que j'ai reçu mon autre colis. Je vous remets au milieu, parce que là, dès que j'aurai reçu mon colis, je vous referai une vidéo. Je vous montre, mais là, les laines que j'ai commandées sont prévues pour déjà pour les modèles. Donc, j'ai déjà imprimé les patrons, puisqu'il y en a un, c'est un ancien patron de Bergin de France. C'est pour Chouchou, pour lui refaire encore un pull sans manche. Et l'autre, c'est pour me faire un pull marinière à moi. Bon, je sais, je suis grosse. Des rayures. Ça va pas m'avantager. Mais bon, j'en ai envie. J'ai envie d'avoir un pull marinière. Donc voilà. Et puis de toute façon, hein, j'ai personne à plaire. Je me plais moi. Et le principal, c'est que je plais à Chouchou. Voilà. Et ça m'énerve. Je ne suis pas au milieu. Voilà. écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Sinon, quoi dire? À la prochaine. Prochaine vidéo Bergère de France. Alors, comme je l'ai faite aujourd'hui, on est mercredi. Jeudi, vendredi, samedi. Je ne sais pas si je l'aurai samedi, mais je pense plutôt que je l'aurai en début de semaine, on verra. Je vous fais à tous des gros bisous. J'essaye de vous remettre au mieux tous les liens des articles que je vous ai présentés aujourd'hui. J'essaye également, alors peut-être que vous l'aurez déjà vu, que j'aurais mis en incrustation le prix promo, le prix normal de chaque article. Et puis là, je vais aller mettre ça du coup sur le groupe. Si personne sur le groupe l'a pris, que quelqu'un, l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous est intéressé, dites-le moi. Et puis comme ça, je vous le revends. Voilà. N'ayez pas le choix. Je ne vais pas garder un livre que je ne vais pas garder. Je vais juste photocopier ce modèle-là. C'est le seul qui m'intéresse dedans. Donc, si vous avez des petits-enfants encore petits, il est pas mal. Il y a des jolis petits modèles. Et pas des modèles compliqués, donc c'est bien. Vous voyez, il y a des beaux modèles, hein, quand même. Donc, allez, ne partez pas tout de suite. Vous allez voir tout de suite après les photos des modèles qu'il y a dans les livres. Et puis, nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.